et bienvenue à la 12e édition du Festival francophone d'Angoulême avec les Web Art Reporters. Aujourd'hui, nous allons vous parler du film Edem, réalisé par Mariam Touzani, sur un sujet difficile qui aborde l'abandon des enfants au Maroc. Il s'agit d'un vrai sujet de société car environ 5000 enfants sont abandonnés chaque année dans ce pays. Suite à ça, nous avons posé des questions à quelques passants sous forme de micro-trottoirs. Bonjour, bienvenue au FFA. Nous sommes le Web Art Reporter et nous sommes en compagnie de Mariam Touzani. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de nous avoir accordé votre temps. Merci. Merci, c'est un plaisir. Comme nous le savons, il y a plusieurs différentes religions, différentes cultures, différentes façons de penser entre les opinions populaires marocaines et françaises. Pensez-vous que la situation de Samia dans le film aurait pu avoir lieu en France? Elle aurait pu avoir lieu, mais elle aurait été vécue de manière très différente. Parce qu'être mère-fille ou mère célibataire en France n'est pas la même chose qu'être mère célibataire en Maroc. Parce que la pression sociale est bien différente. Donc, elle aurait pu avoir lieu, mais elle aurait été différente. En tout cas. Très bien. Et pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Parce que c'est un sujet qui me touche profondément et c'est un sujet qui est né d'une... C'est-à-dire, c'est pas un sujet en réalité. Moi, j'aime pas parler de sujet. J'aime parler, dans ce film-là, en l'occurrence, de personnages. Parce que c'est vraiment un film de personnages. Et c'est une histoire que j'avais envie de raconter parce que c'est quelque chose qui me touche très profondément. Et elle est née d'une vraie rencontre que j'ai faite avec une mère célibataire que mes parents avaient accueillie quand je suis rentrée de l'université. Et donc, j'ai vécu toute la fin de sa grossesse avec elle jusqu'au moment où elle a donné son enfant, et quand je suis devenue mère moi-même, en devenant mère, c'est là où j'ai commencé à écrire. Donc c'était quelque chose d'assez intime. C'est tiré de votre vécu quand même? Complètement, c'est tiré de mon vécu, oui. Moi je crois que c'est souvent comme ça avec les premiers films. Mon premier court-métrage aussi était assez proche de mon vécu, et là voilà, ça se reproduit. D'accord, merci. Donc après la vision de votre film, on a fait un micro-trottoir au public et on aimerait bien vous faire montrer quelques petits passages des réactions. Et si vous étiez une femme, mettez-vous à la place de cette jeune fille qui est tombée enceinte, est-ce que vous auriez fait le même choix qu'elle? Est-ce que vous auriez choisi l'avortement ou l'abandon? Waouh, sacrée question. Alors... Oui, c'est une question qu'on se posait lorsque j'étais adolescente. J'ai eu le cas d'une amie dans ma classe qui a 15 ans, je crois, est tombée enceinte et qui ça a été très très mal perçu. Mariage forcé et vraiment une situation difficile. Et pour vous, mesdames, je voudrais juste vous demander, vous auriez fait quoi à la place de la jeune maman? Difficile de se mettre à la place de quelqu'un dans ces conditions-là. Et puis il y a le contexte du pays où on ne sait pas justement, nous en France, le choix qu'on ferait est forcément différent de celui qui se fait au Maroc. D'une part, et puis voilà, c'est ça, au mariage, et puis le fait que oui, on peut pas avoir un enfant. Le dit, hein. Le mot bâtard est employé deux fois. Mmh. Et puis que oui, l'enfant, de toute façon, il va en souffrir. Voilà, donc qu'avez-vous pensé des critiques du public? J'ai trouvé vos questions d'abord intéressantes, pertinentes, et j'ai trouvé que ce que le public disait était très intéressant parce que effectivement, ça dépend du contexte. C'est-à-dire au Maroc, par exemple, l'avortement dans ces cas-là est illégal, donc une femme comme Samia n'aurait pas le choix de se faire avorter, même si elle avait voulu. Donc du coup, bien sûr que le contexte social, le contexte culturel, le pays dans lequel le film a lieu est vraiment vraiment pris, c'est-à-dire c'est quelque chose à tenir en compte, donc je trouve que c'est intéressant d'avoir mis le doigt sur ça. Et quand vous avez réalisé ce film, vous attendiez à ces réactions des spectateurs? Quand j'ai réalisé ce film, j'ai voulu relever des questions que je pense sont essentielles par rapport à la place des femmes et de ces femmes-là aussi en situation un peu de fragilité dans notre société, et à la place de ces enfants qui justement sont nés dans un contexte qui va être très très dur pour eux. Et qui va complètement
déterminer leur avenir. Et j'ai voulu relever ces questions-là. D'accord. Et je voudrais juste terminer avec la question. Pourquoi avez-vous choisi Lubna, excusez-moi, et Nisrin pour jouer le rôle de Abla et Samia? Alors, vous savez, quand on écrit un film qui est tellement, tellement personnel, c'est très, très dur au moment du choix des comédiens parce que on a vraiment besoin de sentir que les personnages, que les comédiennes ou comédiens qui interprètent les personnages qu'on a écrits et qu'on a imaginés peuvent transmettre la vérité qu'on a envie d'exprimer. Et avec Lubna, c'était pour moi une évidence, je la connaissais, j'admirais son travail, et quand on s'est rencontrés, on a parlé autour du film, j'ai vu à quel point elle ressentait ce que ce personnage d'Abla pouvait ressentir, et pouvait en tout cas être dans sa peau, et c'est parce qu'elle a une vraie sensibilité, un talent énorme. Et puis avec Nisrin, ça a été un vrai coup de cœur, une vraie surprise. Moi, je ne la connaissais pas. Et voilà, j'avais rencontré beaucoup de comédiennes. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a éblouie parce qu'elle a une sensibilité hors norme, un talent vraiment, pareil, assez exceptionnel. Et puis il y avait l'alchimie aussi entre elles deux qui était très importante pour moi, parce qu'il fallait que les deux fonctionnent bien dans leur personnage, mais aussi qu'entre elles, il y ait quelque chose qui se passe. Et c'était le cas, donc je suis très heureuse de pouvoir travailler avec elles. شي داكشي اللي كيصعب ما بغيت نعرف والو لا عليك لا على حياتك. Donc moi j'avais deux trois petites questions. Alors ma première question c'est, vu que l'avortement c'est plutôt interdit par rapport à la religion, aux familles, aux coutumes, est-ce que l'abandon c'est la meilleure solution? Est-ce qu'il y a aussi plus d'abandon que d'avortement? Alors il y a beaucoup d'abandon, énormément d'abandon, et des abandons qui ne sont pas faits dans les normes, c'est-à-dire des enfants qu'on retrouve jetés, c'est atroce, donc je vous épargne les détails, dans des conditions juste horribles, mais voilà. Il y a énormément d'avortements qui se font de manière clandestine. Et là, justement, c'est des centaines et des centaines de femmes qui meurent aussi et qui souffrent, des dégâts. Horrible, parce que beaucoup de fois c'est fait n'importe où, pratiqué par des gens qui ne sont pas forcément des médecins, et parce que c'est fait dans la clandestinité. Et du coup, ma deuxième question c'est, est-ce que le Maroc, à l'époque d'avant et au jour d'aujourd'hui, a évolué? Si, le Maroc a beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'associations féminines qui se battent pour faire avancer les choses. Les lois sont en train de changer. Elles changent, mais après, vous savez, elles ne sont pas arrivées là où il faudrait qu'elles arrivent encore, loin de là, dans la protection de ces femmes-là et de ces enfants. Et puis, surtout, en dehors des lois, parce que je pense que les lois peuvent évoluer, mais ce qui doit réellement évoluer, c'est les mentalités, c'est le regard de la société. Et c'est ça ce qui détermine aussi la manière dont ces femmes vont pouvoir évoluer à l'intérieur de cette société-là. Et donc, pour moi, il s'agit surtout de changer les regards. Et moi, je pense que quand on change le regard d'une société, derrière, les lois ne peuvent que suivre. Parce que j'ai pas envie qu'on porte de jugement sur elle. Elle aurait pu avoir cet enfant avec... c'est-à-dire, on n'a pas besoin de savoir d'où elle vient, d'où vient cet enfant, qui est le père. Pour moi, c'est pas important. Ce qui compte, c'est cet enfant qu'elle porte, et c'est le lien qu'elle a à cet enfant, et le futur qu'il pourrait aussi avoir avec elle s'il avait la possibilité de rester avec elle. Donc non, pour moi, évidemment qu'elle a pas commis de faute. Mais pour elle, c'est-à-dire... Elle pense qu'elle a commis une faute parce que la société, fait que. Merci beaucoup. D'accord. Donc on vous a beaucoup posé de questions par rapport à l'avortement, à l'abandon. Et moi j'ai une question par rapport au film, parce que vous nous laissez dans le suspense, on doit faire notre propre idée. Mais vous, c'est quoi votre fin? Est-ce qu'elle le garde ou pas l'enfant? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que j'ai envie d'y croire. Vous savez, quand j'ai rencontré cette femme dans la vraie vie, elle n'a pas pu garder son enfant.
Elle n'a pas pu garder son enfant. Et moi, pendant des années, j'ai pensé à elle en me disant, voilà, si, comment est-ce qu'elle se sent de savoir que son enfant grandit loin d'elle? Ça doit être un tiraillement, ça doit être quelque chose de tellement difficile à vivre. Et j'avais l'espoir, avant qu'elle le donne, qu'elle puisse le garder, même si je savais que c'était impossible pour elle, parce que personne ne savait qu'elle était enceinte. Voilà. Mais j'avais cet espoir-là. Donc, c'est pour ça aussi que je reste sur cette fin-là, parce que je pense que... ça peut être très très dur, mais il y a des femmes qui y arrivent. D'accord. Mais après, on a une dernière réaction du micro-trottoir qui nous a beaucoup plu, qu'on aimerait vous montrer. Oh, je suis très très émue. Je l'ai trouvé extrêmement fort et d'une violence dans l'émotion. C'est fou, je suis bouleversée, vraiment. C'est un très très beau film. On peut rien enchaîner là-dessus. On a tous eu le même ressenti, hein. C'est un super beau film, très très émouvant, poignant. On voulait vous féliciter d'ailleurs pour ce magnifique film. Merci beaucoup, ça me touche vraiment.